pouvoir cette après-midi du côté de Corée du Sassoubon. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons cet après-midi à l'occasion de notre traditionnel bouquet de Noël. C'est un moment de convivialité que nous apprécions tous, surtout les enfants qui attendent avec impatience leur cadeau. Je tiens d'ores et déjà à excuser notre arbitre de l'humeur, Amaury Delerue, qui ne pourra être présent aujourd'hui, car il est désigné pour arbitrer Saint-Étienne et Vian, mais qui participe généreusement à ce Noël. Cet après-midi est aussi l'occasion de faire un clin d'œil aux 40 ans du Sassoubon et d'honorer nos plus anciens dirigeants. Je remercie chaleureusement nos invités du jour, M. Auger, président du district des Landes, le recteur Robert Hardy, directeur général du lycée, ainsi que M. Pachot, président de la commission des activités sportives. Christophe Nessuro, représentant Intersport, notre équipe entière et un de nos partenaires, est également présent avec nous. Merci également à M. le maire de nous faire l'honneur de sa présence, ainsi que Sophie Bouille, la directrice au sport. Au nom du comité directeur du Sassoubon, je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année et je laisse la parole à M. le maire. Je tiens à vous remercier à toute cette intervention de votre convivialité. En votre nom, à vous, les enfants et à vous, les parents, je voudrais faire un remerciement du fond du cœur à tous les bénévoles, à tous les entraîneurs, à ceux qui sont aussi derrière le convoi et aux dirigeants, parce que vous ne pourriez pas jouer tous les samedis. Sans ces bénévoles qui donnent leur force. Je pense que la force du SAS au football, c'est les bénévoles qui, année après année, se renouvellent et qui entretiennent à la fois une envie de gagner, un esprit d'émulation, puisque je n'oublie pas que l'équipe première de sa poule, elle gagnera des journées, donc on sera y compris avec les matchs en retard de certains premiers, mais également l'esprit de famille. Pour l'ensemble aujourd'hui, parce que dans ce club, il y a un esprit du sport, mais aussi un esprit de convivialité, de fraternité, de chaleur, entretenu par les papas, les mamans, et tous les bénévoles. La municipalité de la Montagne-Marne, du lieu est peu, j'ai compris qu'il y avait un plan Euro 2016, pour nous en 2016, porté par la fédération et soutenue par l'esprit, c'est un sujet de basket, c'est un sujet de la vie. De 40 ans, et on s'en est plus du tout du cœur. Bon après-midi. On va apporter la France, on va voir la France. Par vous, parce que souvent, vous avez un peu, et vous allez devoir préparer des moments de fête. Bonne fête à tous, et vous rappelez, j'espère que le Père Noël sera sympathique avec vous. Sachant aussi
qu'il a gravement aidé le club à laisser prendre de vie. Lui et son épouse Colette, ses filles et même son chien Pujon, ainsi que sa belle-mère, Anne Grossière, chez qui se trouvait le siège du club où avaient lieu les réunions à l'exception d'après-match. De la section foot, il prit en charge l'équipe cadet de 74 à 80 avec Jean-Marie Leroux et Guy Sensoué. Lors de la première année, il finit 3e championnat des Landes. En 80-81, il prend la direction de l'équipe première avec Jean-Marie Leroux. Très soucieux de bien faire, il demande de conseil pour l'entraînement à son ami Christian Lacoste, joueur et entraîneur.
on arrive à faire. C'est de l'attention. On remercie les écoles de l'attention. On va pouvoir distribuer le bouquet aux enfants et aux éducateurs.